boulot. Tu viens? On va jouer dans les dunes? J'en sais rien, Miko. La dernière fois, j'ai passé une semaine à enlever le sable de mes articulations. Oh, mais il paraît qu'il y a une grande course de camions en ville. Optimus, je reçois un signal sur un canal protégé. On dirait qu'il provient d'un vaisseau évoluant à l'intérieur de ce système solaire. C'est une balise d'identification Autobot. Quoi? Il y aurait d'autres Autobots? Ils se sont dispersés dans les galaxies quand le Cybertron est devenu noir. Mais les Decepticons ont tendu des pièges en lançant des fausses balises. Au vaisseau inconnu, ici le poste Autobot Omega 1. Identifiez-vous, je vous prie. Même les Decepticons m'ont déjà accueilli plus chaleureusement que ça. Oui, Jack! Ce bon vieil écraseur, qu'est-ce que tu fabriques dans les environs? Bulkhead? C'est toi? C'est quoi cette sécurité renforcée? La planète où on se trouve grouille de Decepticons. Combien de temps il te faut pour venir nous dire bonjour? Je peux être là demain, si j'appuie sur le champignon. Un autre Autobot va venir? C'est trop génial! Will Jack, je le connais, mais de réputation seulement. Tu peux vérifier son empreinte vocale? Oh, c'est bien lui, ça ne fait absolument aucun doute, Optimus. Nous allons t'envoyer nos coordonnées, Will Jack. Bon voyage. À très vite, vieux, je te prépare l'accueil que tu mérites. Alors, c'est qui ce vieux pote? On se connaît depuis un sacré bail, Jackie et moi. On faisait partie de la même unité, les Wakers. Les Decepticons ne vont pas apprécier de le voir débarquer. Will Jack, qu'est-ce que tu fabriques dans les environs? Bulkhead? C'est toi? C'est quoi cette sécurité renforcée? La planète où on se trouve grouille de Decepticons. Un héros. Combien de la temps guerre. Il faut pour venir nous dire bonjour? Nous n'avons pas beaucoup Je de temps. Je peux être là demain. Mais si j'appuie sur le champignon. La planète où on se trouve grouille de Decepticons. Combien de temps il faut pour venir nous dire bonjour? Je peux être là demain si j'appuie sur le champignon. À très vite, vieux, je te prépare l'accueil que tu mérites. Moi aussi, je vais te préparer l'accueil que tu mérites, Will Jack. Rester? Il va devoir se trouver un copain humain. Déploiement du pont terrestre. Maudit Scarplets. L'équipement n'est plus le même depuis leur invasion. Alors, Will Jack va atterrir quelque part dans le monde et vous allez l'emmener jusqu'ici grâce au pont. On ne peut pas prendre le risque de dévoiler les coordonnées de cette base. Les Decepticons sont peut-être déjà sur la trace du vaisseau de Jack. Ah bah dis donc, je t'avais encore jamais vu aussi impatient. Oh, tu vas adorer Will Jack. On est des frères tous les deux. Et tu vas voir la fiesta qu'on va se faire ce soir. Trop cool. Des intrus, ils rejoignent la position de Will Jack. Des Decepticons? Si vous vouliez me gâcher ma journée, vous auriez dû vous lever un peu plus tôt.
vraiment pas faire mieux que ça ? Capturez-le avant que les Autobots n'arrivent. Déploie le pont, Ratchet, on est en train de rater la fête. Je prépare le Sig Bay. Pour qui, les Decepticons ? Je te signale que c'est de Wheeljack qu'on parle. Ça, c'est moi qui lui ai appris. Franchement, j'ai l'air d'avoir besoin d'aide. Tu rigoles, on veut pas gâcher le spectacle. T'en as oublié un. Vous n'êtes pas plus nombreux que ça. Cette planète est beaucoup plus en danger que je le croyais. Vieille boîte de conserve, ça me fait plaisir. Hey Jackie, regarde, c'est mon meilleur pote après toi. Miko, elle mérite presque de devenir un robot. Salut. Tu évites les ennuis à Bulkhead ? J'essaie, mais les ennuis nous retrouvent toujours. Je crois qu'on va bien s'entendre, elle et moi. Optimus Prime, c'est un grand honneur. Pour moi aussi, soldat. Quelles nouvelles nous apportes-tu de ton long voyage ? Je me suis baladé de caillou, en cherchant des alliés ou des ennemis. Et voilà, j'ai trouvé les deux. Nous sommes peu nombreux, mais nous sommes puissants. Nous avons subi de lourdes pertes, mais nous avons grandi. Et c'est un grand bonheur pour nous d'accueillir un nouvel allié dans notre équipe. Je serais honoré d'en faire partie. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour commencer la fiesta ? Ah, pitié. Depuis que Makeshift a franchi le pont terrestre, nous avons perdu son signal. Les Autobots ont sûrement pris toutes les mesures nécessaires pour nous empêcher de localiser leur base. Car, peu importe, j'ai entièrement confiance en Makeshift. Notre espion est déjà dans la place. Dis à Megatron qu'il a fait une grave erreur. Bulkhead est capable de renifler un imposteur. Ah, tu n'es pas au courant. C'est moi qui dirige les Decepticons à présent. Toi ? Oui, il peut encore nous être utile. Makeshift est parfaitement capable de sauver les apparences. Et il ne devra tromper ton vieil ami que le temps d'ouvrir le pont terrestre de l'intérieur pour que je puisse enfin savoir où se trouve la base secrète des Autobots. Il ne me restera plus alors qu'à envoyer mes troupes de combat pour répandre sur le sol l'énergone d'Optimus Prime. Jackie, montre-moi ce que tu sais faire. Bon lancer. En fait, c'est quoi ce jeu? On appelle ça le lobbying. Un jeu très apprécié sur Cybertron, en particulier parmi les guerriers. Allez, Raph, bouge-toi un peu. Bon, d'accord, j'arrive. Ah oui, bien sûr, le robot. Mais où est Optimus ? Parti faire un tour. Les Primes ne font pas la fête. Attrape ça ! Je vous signale que je suis en train de réaliser des calibrages extrêmement sensibles. Désolé, Doc. Je crois qu'on est un peu trop excités. Ce pont, c'est du matériel de récup, non ? Exact. Un véritable miracle technique. Oui, on peut le dire. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème ? Je n'ai pas aimé la façon dont il s'est déployé la dernière fois. Je l'ai débranché pour le moment. Et si tu as besoin de l'utiliser ?
Impossible d'arrêter la défragmentation sans causer des dégâts irréparables. Ah bon? Et ça va prendre combien de temps, cette défragmentation? Quelques heures, si on a de la chance. Peut-être plus. Makeshift n'a toujours pas ouvert le pont terrestre ou transmis leurs coordonnées d'une façon ou d'une autre. Même si son déguisement est parfait, il ne pourra plus tromper les Autobots bien longtemps. Vous imaginez la scène? Pas de moyen de communication, presque plus d'énergie et entouré de Decepticons. Alors, qu'est-ce que Jackie a fait? Dis-leur, Jackie. J'ai fait ce que je fais de mieux. Il a jeté sa dernière grenade en plein dans le diffuseur de chaleur. Ouais, ça m'avait semblé une bonne idée à l'époque. Vous auriez dû voir cette supernova! Formidable! Oui, encore aujourd'hui, je me retrouve parfois des éclats dans le derrière. Et vu la taille de la chose, ça ne me surprend pas du tout. C'est ça la signature de Jackie. Une seule grenade, un seul coup. Hé! Hey, tu te sens pas bien? Quoi? T'as pas l'air dans ton assiette. Qu'est-ce que tu veux dire? J'en sais rien, t'es trop calme. Oh, je suis resté enfermé dans ce vaisseau trop longtemps. Je ferais bien d'aller prendre l'air avant de devenir cinglé. Je dois patrouiller ce matin, tu pourrais venir avec moi? Allons-y maintenant. Pour gâcher la fête? Tu rigoles, tout le monde t'adore ici. Allez, raconte-leur notre combat dans les montagnes sombres. Toi, raconte. Tu feras ça mieux que moi. Miko pourrait me faire visiter la base pendant ce temps. Mais bien sûr, pas de problème, Jackie. Allez-y tous les deux. Pour la visite, suivez-moi. Est-ce que tu fais de la musique? Tu sais voler? Qui a écrasé le plus de Decepticons, Bulkhead ou toi? Tout va bien? Oui, je me sens juste un peu démodé. Ne me dis pas que tu es jaloux. Parce que Miko apprécie mon vieux copain, tu rigoles. Non, il y a autre chose. Quelque chose de... bizarre à propos de Will Jack. Non, mais tu entends ce que tu dis. Il a traversé les galaxies. Tu ne l'as pas vu depuis des siècles. Ce serait logique qu'il ait changé, non? C'est ce qui arrive à tous les robots, tu sais. Non, pas Jackie. Tu n'iras nulle part, Autobot. Voilà, je crois qu'on a tout vu. La réserve d'Energon, le générateur, l'armurerie, tout ce qu'il faut pour faire de beaux feux d'artifice. Mais ce bunker, où se trouve-t-il exactement? Si je te le disais, je serais obligée de faire exploser ta cellule Spark. Je rigole! Juste à côté de Jasper, Nevada. Mais j'imagine que ça ne te dit pas grand-chose. Non, pas grand-chose, en effet. Et comment peut-on sortir d'ici sans se servir du pont terrestre? Pourquoi? Tu n'as pas déjà envie de nous quitter, n'est-ce pas? Viens, je vais te montrer. Cette fois, ça y est presque. Je connais Will Jack mieux que n'importe qui. Hé! Hey. De quoi vous discutiez, les amis? J'étais justement en train de leur raconter ce qu'on avait fait ensemble, notre grand combat dans les montagnes noires. Oui, c'est un sacré souvenir. Oui, raconte-le. Encore une vieille histoire? Et si on allait plutôt se balader un peu, maintenant? Miko, reste en dehors de ça. Bulkhead, calme-toi. Je ne vois pas que... Raconte. Très bien, puisque tu aimes vivre dans le passé. Les Wakers étaient piégés entre une patrouille de Decepticons et une fosse de métal en fusion. Les Decepticons essayaient de nous faire tomber en nous lançant tout ce qu'ils avaient sous la main. Bulkhead et moi, on s'est lancés sur eux, on les a mis en pièces, et j'ai utilisé leur carcasse pour nous sortir de là. On a marché sur eux pour franchir le métal en fusion. C'est bien ce qui s'est passé. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. À part un tout petit détail. C'est que moi, je n'étais pas là.
J'avais déjà quitté les Wakers pour rejoindre Optimus. Mais ça, tu ne pouvais pas le savoir si tu n'as fait que jeter un œil sur les états de service de Wheeljack. Mais Bulkhead, qu'est-ce que ça a à voir avec... Miko ! Reste où tu es, ou je réduis cette gosse en bouillie. Wheeljack, mais qu'est-ce que tu fais ? Misérable Decepticon, lâche-la et bats-toi contre moi ! Ne t'inquiète pas, tu auras bientôt l'occasion de te battre. Est-ce que Wheeljack existe vraiment ? Mais bien sûr, le Seigneur Starscream doit beaucoup s'amuser avec lui en ce moment même. Es-tu sûr que nous sommes bien aux coordonnées que tu as fournies à Makeshift ? Mais c'est incroyable, qu'est-ce qui lui prend ? Peut-être qu'on a donné à ton espion l'accueil qu'il méritait, et qu'il a décidé qu'il était sans doute préférable pour lui de changer de camp. Tu n'as quand même pas la prétention de tenter quoi que ce soit tout seul. Si, et j'ai même la prétention de croire que beaucoup de tes soldats adoreront assister au spectacle. Anéantissez-le ! Juste à temps. Fermez ce trou avant que les cafards ne passent. Franchissez tout de suite le pont terrestre ! Celui-là, il est pour moi. C'est lequel, le vrai Wheeljack ? Je ne sais plus ! Ça, c'est mon Jackie. Ouvre-nous la porte, Ratchet. C'est l'heure de sortir les ordures. Il est à toi, mon vieux. Qu'est-ce que vous attendez ? Foncez ! Joli lancé. Je t'en prie, dis-moi que tu as au moins pu apprendre où se trouvait leur base. Oui, Seigneur Starscream. C'est un vieux bunker, juste à côté de... Oh, en arrière ! En arrière ! En arrière ! Oh non. Makeshift, pauvre idiot ! Thank you.
C'est un véritable cauchemar. Maintenant que tu fais partie de l'équipe Prime, il faut qu'on choisisse un mode véhicule. J'ai quelques idées. À ce propos, Bulk, maintenant que mon vaisseau est réparé, j'ai très envie de découvrir ce qu'il y a là dehors. Attends, tu veux partir? Pourquoi? Oh, parce que certains Autobots ne changent pas. Wheeljack, sache que tu seras toujours le bienvenu parmi nous. Jackie ne reste jamais longtemps, mais il revient toujours. Il y a de la place pour deux, Bulk. Même avec ton gros derrière. Et qui sait ce que nous allons trouver là-bas? Peut-être de vieux amis? Ça va te faire rire, Jackie, mais je sens que c'est ici que je dois être. Avec eux. Avec elle. S'il arrive quelque chose à mon Waker préféré, je serai très fâché contre toi. T'inquiète, je prendrai soin de lui. Maintenant, dis Ouistiti!